Salut à tous, c'est Apprentigog, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vous parle d'une toute nouvelle race de chiens. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, c'est très important, je vous remercie et c'est parti. Aujourd'hui je vous présente le chien d'eau portugais, un chien qui est utilisé dans la chasse, surtout la chasse au filet, et qui servait à ramener le filet aux pêcheurs. Cette race fait son apparition apparemment, d'après les récits d'un moine, ce chien fait son apparition en 1297, c'est-à-dire au 11e siècle. D'après ces récits, il aurait sauvé un marin de la noyade. Devient alors célèbre en 2009 quand une personne très connue, que vous avez dû sûrement entendre parler de lui dans les journaux, Monsieur et Madame Obama, c'est-à-dire Barack et Michelle Obama, adoptent un chien d'eau portugais. À la suite de ça, vu que leur fille Malia, d'ailleurs le chien qu'ils ont adopté le premier s'appelait Beau, et ensuite Malia qui était à cette heure-ci, elle était allergique au chien. Elle décide d'en choisir un deuxième qui s'appellera Sunny. Et Beau fut le nouveau first dog des États-Unis d'Amérique. Voilà, j'espère que cette courte histoire vous aura plu malgré que c'était court. Que vraiment le plus important que vous ayez à retenir de cette vidéo, c'est que ce chien est apparu au 11e siècle, d'après des récits qu'il aurait sauvé des marins. Donc en plus, ses poils lui permettent de flotter à la surface, et ça c'est génial. Je vous invite à vous liker, à partager, à vous abonner, pour suivre les toutes nouvelles races de chiens que nous allons présenter sur notre chaîne YouTube, et continuer en masse à vous abonner, je compte sur vous, c'était Apprenti Dog.